bien, salut à tous, ici NathilaFurious12 et bienvenue pour ce 5e épisode de Prototype en compagnie de vous. Donc justement, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très très bien, juste un petit peu mal sur les bords, mais bon, j'espère et je pense que ça ira. Donc je vous proposerai pour cet épisode de un petit peu continuer la mission principale. Allez. Alors donc la dernière fois j'avais fait une grosse session dans cette session, moment j'ai pas touché au jeu. Je pense que j'ai arrêté de faire comme ça, j'avais essayé un test. Hein. À mon avis, je vais tourner un épisode par un épisode. Ça sera mieux, je quitterai pas moi les bonnes habitudes du jeu. Parce que là, le gameplay, faut juste que je m'y habitue un petit peu. Ouais. Ouais. Allez, juste avant. Faut que tu fais un petit peu petit giga. Yeah. Mourez, infidèle. Voilà, c'est ça qui m'éclate. Non, voilà. Bon, il a souffert, lui. Alors, bon, s'il te plaît, je vais monter. Merci. Allez. On y va. C'est parti. Does the name Karen Parker ring any bells? Well, it should. She was close to you. An ex-girlfriend. I have her address from the laptop. Get to her before the military makes her disappear. Look, if I can find this lead, you can bet they will too. Alex, be careful. Maman, comment elle me regarde celle-là? Eh, ça fait peur. Hein. allez, donc c'est parti du coup. Hein. Bon. Sinon, comme vous pouvez le voir dans cette ville, ça commence à être de plus en plus de bordel. Hein. Les affectés commencent vraiment à être partout. Et ben voilà quoi, hein, c'est vraiment. Le gros bordel de tous les côtés, quoi. Mon dieu. Alors. Oh, une antenne. Oh. Alors, normalement, je peux marcher aussi, ouais. Oh, c'est bon. Alors. C'est là-bas. On va y aller. Par contre, vite fait, dans les anciens épisodes, j'ai vu que des fois je parlais pas énormément pendant une petite période. Excusez-moi, c'est le moment où je me concentre. Hein, parce que pas non plus envie qu'on reste 3 heures sur le même truc. Parce que comme il s'est passé la dernière fois, c'était un petit peu trop long, je trouve. Donc, ne vous étonnez pas si jamais je parle beaucoup. Au pire, hein, je ferai des ellipses. Si c'est vraiment trop long, quoi. Mais bon, pour l'instant, j'en ai pas vraiment vu l'utilité. Et c'est quoi cet endroit? Oula, ouais. They're distracted. They haven't secured Parker yet. Ah ouais, je pensais pas que c'était le bordel à ce point là quand même. Allez, ça y est, là on est vraiment dans une zone affectée, ça y est. Ah regardez, il y a les barrières anti... enfin pour éviter que les infectés passent. Même si ça part en passant devant, juste ce que tu veux. Oh, qu'est-ce que tu veux toi? Tiens, voilà, coupé en deux. Oh, il est à moi celui-là. Tiens. Combattant en faute de savoir. Alors, donc. Tu fais un petit peu de flic aussi. Hein. Pas de militaire pour le coup. Ça fait toujours plaisir. Hein. Rien. Mais. Bon. On dirait que ça ira. Ah, mais c'est carrément des produits toxiques en fait qui mettent ici. Bonjour. Karen Parker. I thought you were dead. I should be. Right now, we need to get out of the military cordon. You need to get us a vehicle. A military one, if possible. It's the only way we'll be able to get out of the district. Ou sinon, je te porte fièrement sur mes épaules. Ok. Ok, en fait. Oh non, pas eux encore. Ah, ils sont sous ceux-là. Tiens. C'est vrai qu'on se voit un peu sous. Oh non, je vais pas mourir, c'est pas vrai. Non, je ne veux pas. Non. C'est ma vie, de la vie. Je cours. Ah, laissez-moi m'enfuir. Je veux pas mourir. Eh ben. Ah, ils sont violents eux hein. Alors qui c'est que je frappe? Un flic. Donc on est où? Tac. Oh.
Voilà, je t'assimile. Oh yeah, c'est bon. Parker, Karen I. DOB 1176. Doctorate, Genetics, Rutgers University, 72-2003. Hired, Gentech, Special Projects, 21-2002. Director, Genotyping, Level D Access, reported to Director McMullen, Raymond F. Romantically involved with Mercer, Alex J., wanted for questioning. Subject is to be detained and transferred to Base 6 Charlie Alpha 1. Ahem. Tu dégages. Toi, tu vas mourir, par contre. Parce que je veux que tu meurs et tu meurs. Non, non, non. Non. Ah, ils sont vraiment puissants, quand même. Ça devient MG, non, il faut vraiment que je m'améliore. D'ailleurs, est-ce que je peux pas vous faire un petit peu améliorer, là? Tac, hein, amélioration. Qu'est-ce qu'il aurait? Alors, acheter... Pouvoir marteau. Ouh, vision thermique, ça, je m'en fous un petit peu. On a combien, déjà? On a 48 000, c'est-à-dire que le pouvoir marteau sera ruiné direct. Je veux pas trop non plus. Alors, c'est pour méditer. Le saut, je m'en fous un petit peu. Monter derrière la ligne. Derrière la ligne est un filet de sécurité ultime. Lorsque votre santé est au plus bas, vous devenez invulnérable pendant quelques instants et disposé alors d'un cataclysme. Allez, c'est un bon escient. Oh, ça, je veux bien. Et en dessous, en dessous, en dessous, la santé. Je pense que je vais plutôt prendre cataclysme. Je vais voir ce qu'il y a à côté. Ouais. Là, c'est chargé. Là, c'est volé. Métamorphose. Un petit peu. Et détourner le visage en AD. Je vais pas acheter ça, si. Bon, oh, c'est quoi, je pense vraiment que je vais prendre... Ouais, montrer la ligne. Allez, voilà. Ensuite, il y avait quelque chose ici de pas trop cher, j'ai cru voir. En fait, tout est vraiment très très cher. Ça, c'est... Ah, quoi que l'amélioration de... Oh, allez, amélioration de l'onde de choc. Allez. Bon, on est en ruiné, on sera... on va dire... Ouais. C'est d'accord. Donc maintenant je vais tester la dernière ligne vite fait, hein. On va essayer de buter un des colosses, comme ils les appellent. Où est-ce qu'il y a un colosse? Là-bas. Merde. C'est pas non plus ultra efficace les lames, hein. On va un petit peu là dans la lumière. Ah, stimulation! Voilà, laisse un petit peu la vie. Et assimilation aussi. Bon, ça c'est fait, hein. Tiens, dans ta gueule. Allez, défoncez-moi là, vous mettez à une traite. Kalashnikov! Yeah! Ouh, c'est... Ça marche plutôt bien. Comment c'est quoi les bouger? Non, tu parles. Ok, il est content d'être vite fait, c'est quand même de faire un truc. Oh. Chiant. Eh putain, ça marche vraiment bien, ça n'empêche. Ah, balancer les culs sur eux, ça m'a fait très très mal. Intéressant. Pour le coup. Chiant. Voilà, bon, on assimile tout le monde. Ah, ah oui, effectivement, quand on est extérieur, ça marche déjà beaucoup mieux. Quoi. Tout ce qu'il veut. Il est que vite. Oh. Oh, il a pris cher, là. Bon, oh, je suis content, je m'en sors plutôt bien cette fois-ci. Ouais, les colosses, ils font pas le poil, hein. Attendez. Bon, c'est bon, on va y acheter. Hein. On va à notre point de rendez-vous, entre guillemets. On tire ça. Tac. Normalement, il faut que je monte en haut d'un immeuble. Et on de choc, ça va faire mal. Ouais, d'accord. J'ai pas trop compris comment ça marche. Bon, c'est pas très grave, hein. Alors. Ouais, c'est tout en feu, tout est... apocalyptique. Ah, quoi qu'ici, tout de suite, ça a mis. Ah non, en fait. Le ciel qui devient plus orageux. Un petit peu moins gaz nocif, on va dire. Alors.
On se balade dans la ville. C'est juste là. Alors. Ah, l'antenne. Oh, je m'en fous, j'utilise l'antenne. Je veux l'antenne. Voilà. D'ailleurs, attendez. Oh. Oh. Ah oui, bah on avait vu ça la dernière fois, ça. C'est bon. Oh, oh. What? Ah! Qu'est-ce que je fous là? Oui, j'ai toujours l'antenne, c'est normal qu'on repère. Ah ouais, ça dégage. Bon. Je suis militaire. D'abord. Ah là là. Bonjour. Excusez-moi, je me barre. Voilà. Fais un tank silencieux au cas où que on remplacera Luc Ampera et non le commandant général en chef. Voilà, maintenant je peux te faire revenir en mode général. Ouais. Ah. Ici. Ouais. Oui. What the heck? Allez, on va dans la base. Oh. I don't know how to operate these vehicles, but someone here does. Mm-hmm. Oh non, problème. Hein. La la la. Quand, vu qu'on est flex, on va même marcher. C'est moi le commandant. C'est moi qui décide. Vous mourrez tous. Yes sir. What the fuck. Alors. Bonjour. Excusez-moi, je vous laisse mieux. Si on ne dort pas. Non, c'est moi le commandant, c'est moi qui décide d'abord. Welcome to the Marine Armor Training Center. There are 19 major systems in this Marine Armored Personnel Carrier and over 25,000 moving parts. In the next 8 months, you will learn all of them. When you're done here, you'll be able to park that vehicle on top of an enemy position and blow the shit out of them. It's my job to get your shit in order. It's your job to shut the fuck up and learn. J'adore votre rôle de la fermer et d'écouter. Enfin, de faire. Pas d'état d'alerte, oui, on s'est d'accord, j'avais compris la dernière fois ici. Alors, donc, où est-ce qu'il y a un balai encore là? Ah, bah, c'était pas là. Waouh! Eh, putain. Ah, ils y vont. Pas de ma morte, on va dire. Bon, allez, fuck it. Wow. Oh, on l'a vu arriver là. Il est venu ici là. Allez, dans ta gueule. Toi aussi, dans ta gueule. Voilà, allez, on défonce tout le monde, nous. On est comme ça. Oh, brochette. Bah, par contre, je pense à des problèmes. Ça continue. Ouais. Bon, sinon, est-ce qu'il y a un balai par hasard? C'est gentil, moi, j'aurais bien un petit balai dans le train. Il y a un raid, il me fait mal. La bisou, bé. Pas de problème. On tue les soldats. J'aime le plan. C'est bon. Ah, j'ai oublié la station. Alors. Bon. Oh. Bah justement. Adieu. Oh. Allez. Bon, du coup, je vais me remettre en commandant. Ah non, on avait le pilote. Ah. Puis, du coup, si je monte dedans, logiquement, il. Vu que je suis un pilote, il comprend. Logiquement.
Ouais. Oui, c'est une façon efficace. I know exactly how to drive this thing. Ah, ouais, moi je fonctionne. Il était pas, je le fais directement opérer. J'ai aucun respect. Allez. Non, donc c'est pas là-bas du coup. Qu'on la manipulé, j'aime pas du tout. C'est vrai. On a poté le véhicule, on est comme ça. Allez. Dégagez-la. Je peux plus voir. On écrase tout partout. C'est le bordel. Liberdad, libéo. Ah bah salut confrère. Tiens, petite bite. Ils osent même pas utiliser les missiles. Quoi. Aïe aïe aïe. On a l'air en pleine tour. Lalala. Ouah, t'es crié un petit peu comme si elle faisait mal. Ok, targeting system. Main gun. Got it. Crowd, negative visual, we've lost him. Oh. Merci, et toi là-bas? Écoute, tu vas mourir. Hein. Parfait. Prends une PE, allez. On y va. Et on rentre dans le tas. Alors. Pour le temps qui commence à avoir des problèmes, on va dire. C'est gênant, vous allez voir. Ah merde, j'ai plus du coup de succès en quête. Ah, pour le coup, j'ai pas vu qu'il y avait des missions. Oups. Alors. Ouais, maintenant est-ce qu'on va se rendre compte qu'on est dans ce qu'on va dire. On défonce tout partout, ouais, foutre. Alors. Ça, je vous avais cassé, non? Normal, j'ai vraiment mal aussi. Je suis en fait, c'est mauvais. Hein. Qu'est-ce qu'il veut, le gros là? Ah, mais c'est une forme! C'est quoi cette merde? Ah yeah. Destruction. C'est ça qui est bon. Allez. Maintenant est-ce que je passe sur du temps ou pas? Ah. Oh, ils m'ont réparé. Oh merci. This is where we should go. I'll mark it for you. Please, let's just get there safely. C'est par où? C'est par là? Ok. Ah du coup je donne gros, bon j'essaie de gaspiller parce que du coup j'ai une bonne ici. Et ah pour ça c'est 8h. Yeah. Ouverture de porte avec le missile. On tire la mitraillette, je pense qu'on peut l'utiliser quand même. Non, y'a plus personne ici. Comment ça faut avouer que. Ah, bonjour. Alors, c'est. Eh, merci. Toujours que c'est pas le petit flic. Ça s'est fait. T'as compris, je dois faire quoi là? Je vois si tu veux. Ok. J'en ai où? Bien gentil, ils vont. Ouais, est-ce que je vais aller? Attendez.
J'appe. Ah, je vais dans une base militaire, c'est ça? Oui, non, oui, non. Je sais pas. Journaux. Y'a plus de mission. Détruire une nid, ouais, passer chercher, ouais. L'abri. Tuer chapeau militaire. Ah, d'accord, faut le chapeau militaire. Ouais, c'est un peu wow. Comment ça se véhicule déjà? Je vais pas sortir, c'est ça? Oh. Pardon. Et toi? Alors. Et là, je suis le militaire, c'est ça? Ouais, on a réussi. Tac. Les deux ici aussi. Hein. On y est presque allé. Là, là, là. Des vrais voilà. Allez, c'est parti. Là, là, là. Donc, bon, bah, c'est pas dans le parc, tu peux, ok, c'est tout terrain après tout. Wouhou. La physique du temps qui est assez, assez spéciale. Vraiment, à mon avis, il faut vraiment l'avoir en main, avoir les commandes, mais si vous avez l'occasion de jouer au prototype, franchement, le tank, il est assez spécial comme véhicule. Donc, tout m'a ralenti un petit peu. La maniabilité, mais c'est vraiment de la merde. Ça, c'est vrai qu'il faut la voir. C'est trop lent, on va dire. C'est pas assez. Maniabilité, vraiment, elle est beaucoup trop lente. Pas assez nerveuse, on va dire. Enfin, c'est mon avis. Hein. Peut-être qu'il y en a qui aiment, mais. Personnellement, je dirais que. C'est pas, mais pas du tout mon style de commande. Alors, faut aller dans la rue, c'est ça? C'est ça. Ah, non, s'il vous plaît. Allez. Vas-y. C'est bon. Yeah. Mission accomplie. 25 000 PE. Merci beaucoup. Did I ever tell you Karen and I were together once? Pictures of us at my apartment. At least I assume that was us. Karen worked at Gentech. Maybe she could explain what was going on with me and how to control it. I know now. Freeing Elizabeth Green was a mistake. She was a monster. Infecting everything she touched. Get to Green, find out who did this to me. I thought she was the key to all of this. And was she? In a way. I knew we were connected. Victims of a common enemy, subjects of a common experiment, and I didn't know. But I had Karen. And we were gonna put a stop to this thing together. Quatrième jour d'infection. 4% d'imposition affectée. On apprend vraiment de plus en plus, hein, c'est devient vraiment plus intéressant l'histoire. Alors, brief. Voilà. Alors. Et de toute façon, normalement, c'est la fin de la vidéo. Bon, tu peux gratter juste fait pour avoir une petite. Ah oui, effectivement, c'est qu'en fait, on a. Allez. Oh. La voiture qui vaut la moitié. Boing.
Oh non. Au moins ça s'est fait. Hein. Oh. Tu t'arrêtes. Oui, je tue les gens de sang-froid. Oui. Bonjour monsieur. Vous allez bien, attendez, je vais voir votre gueule. Je veux pas, non. Ah bah il est là. Ouais, là c'est sûr, il est mort. Bon, bah, qu'est-ce que je veux dire? Sérieusement. Eh, merci, mais... Allez. Voilà. Oh, pauvre conducteur. Non, c'est ça que je voulais. Attends, j'ai juste regardé un truc. Parce qu'il y a un truc qui est à voir. Clavier. Blindé. Qui était blindé? Ouais, mais c'est ça. Bah ben alors. Ah, d'accord. Faut maintenir, oui, c'est bien sûr. Alors, on va essayer de faire un autre, une autre carte annexe. Hein. Je pense en fait qu'à chaque fois, on va faire ça par épisode. Oh. C'est trouvé hein, sur 200. Il y a aussi c'était trouvé. Oula, c'est bordel là. Ça, je suis pas sûr que je le ferai entièrement. On va terminer, c'est ce qu'on fera. En fait, à chaque fin d'épisode, on fera une mission annexe. Tout simplement. Voilà, on fera l'épisode se déroulant comme ça. Une quête principale, une quête annexe. Et ça suffira amplement. Alors. Élément assimilation. Assimiler une cible indiquée pour commencer un événement assimilation de militaires ou infectés. Ce sont des occasions de révéler les cibles intrigues et débloquer la ration des compétences et de gagner des PV supplémentaires. Ok. Bonjour. Ah. Chasse aux scientifiques. Présentation. Les scientifiques de Blackwatch sont déployés sur le terrain, assimilés pour découvrir où se trouve un personnage clé du complot. Objectif 1. 1. Atteignez l'équipe scientifique dans un parti. 2. Assimiler au moins un scientifique. 3. Tuer des défenseurs pour obtenir un bonus. Récompense. 2000 PE pour chaque scientifique assimilé. Bonus 2000 PE pour tuer tous les défenseurs. Facile. Commencez l'événement. Allez, c'est parti. On a 1 minute 40. Ça va être assez vite fait, on est bien. Allez, on y va. Juste essayer de se presser un petit peu quand même. Okay, ça va être assez loin. On va passer par les immeubles. Parlez-toi. Ça sera déjà plus rapide. Tout le monde récupère. Allez, allez. On a déjà perdu au moins 20 secondes là. On aura perdu 25 secondes. Oh, il était beau celui-là. Alors, revenez là. Oh. Oh. Assimilation. Allez, on court, on court, on court, on court. J'aime bien avec moi par contre. C'est où ça? Derrière toi. Mais ah! Ah, c'est ça qui court vite, hein. Voilà, deuxième certificat assimilé. Et c'est parti, vite, vite, vite. Le troisième. Ah merde! Non, je l'ai tué! Ah! Bon bah. Oups. C'est pas grave. Bon bah, 2 sur 3, 4000 plus 2000. Ok, bon, ça va, on a 6000 EV. C'est une PE. C'est mal et tout. Bon, bah du coup, nous voici à la fin de l'épisode. Donc j'espère que cet épisode 5 de Pour travailler vraiment en compagnie vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un j'aime, ça me fera plaisir. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes ou revoir les anciens, à vous de voir. Et merci de passer cette vidéo, ça me fera plaisir. Allez, ciao à tous. Ça, et vite fait, comme habituellement, un dernier mot, monsieur. Ouais, c'est cool. Les gars, non, je veux lui, je veux lui, le gars violé, je veux le violer. À toi, 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 toi. Voilà. J'ai dit un dernier mot. Non. T'es sûr? T'es sûr de toi?
Ok. Oups. Toujours vivant ou pas? Non. Je me disais aussi. Allez, tchao à tous. C'est un poubelle.